Ces cris d'alarme lancés par la population du quartier latin résident sur l'avenue Nkulu Majiba, Wangata et Kongolo ont produit les effets positifs. Sur terrain, les outils de travail sont bien visibles, annonçant la reprise de travaux sur ces artères. La population bénéficiaire exprime leur joie. Il dit, en tout cas, nous sommes très contents car il y a trop de poussière. Nous leur demandons de ne pas tarder avec ce travail. Qu'ils arrangent seulement, car s'ils le font et que la route devient en bon état, Dieu les bénira et on n'aura plus à faire avec la poussière. Du côté de l'entreprise à pied d'œuvre, les travaux vont s'effectuer à courte durée pour rendre fluide la circulation sur ces tronçons. Nous avons commencé avec l'avenue Nkulu Majiba, c'est au début, mais il faut mettre la latérite et compacter. Et sur l'avenue Kongolo, on procède à mettre les 0,50 et les 0,25, mais les travaux s'ajoutent toujours. Car vous pouvez arriver avec un autre programme du travail, mais dès que le chef de chantier arrive, il donne un autre plan de travail. Et en voyant l'évolution de nos travaux, on peut aller à un mois et demi. Mais il n'y a pas de précision exacte à donner. Entre-temps, la population de cette partie de la commune de Manika attend voir la réhabilitation de leurs avenues qui sont envahies actuellement par la poussière.